Jeudi 12 juillet 2018, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter avant dernier sortie journal là. Pour ce maintenant, déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité, Premier ministre paysan Dr. Jacques-Guy Lafontaine, Chita parlé hier mercredi 11 juillet avec président Assemblée nationale, la sénateur Joseph Lambert. Rencontre ça qui était déroulé dans le local la Primatia permet deux autorités de discuter sur la conjoncture actuelle là et puis sur plusieurs autres dossiers qui concernaient le pays. Paquet Port-au-Prince a arrêté 64 individus qui accusés pour zak pillage, crasé brisé et mettre du feu pendant mouvement tension qui passait pendant week-end passé. D'après le commissaire, yo kebe individu sa yo pendant y a posé zak brigandage. Et puis au niveau du Parlement haïtien, premier secrétaire Sénat République, là, sénateur Diopi Chérubin, fait connaître les désolidariser avec le groupe en majorité dans le Sénat, d'après lui, qui ne pas permettre aux jeunes quorum pour capable faire séance pour institution prononcer sur la situation pays d'Haïti. Merci pour fidélité ou à attention et dit son nouvelle cela. Nous retournons pour développement information. Et je nous dis dans grand titre, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, chita parlé mercredi 11 juillet avec président Sénat République la Joseph Lambert. Rencontre ça qui était déroulé dans le local la Primatia permet deux autorités de discuter sur conjoncture actuelle là avec plusieurs autres dossiers qui concernaient le pays d'Haïti. Esaïe Aurelius à Wilson Idoré était sur place en nous suivant un extrait. Pendant la rencontre nos matins avec sénateur Lambert, nous avons profité pour nous faire le tour en ce qui concerne le dénominateur commun à nous gagner, qui est Haïti. Mais bien sûr, nous avons profité tout pour nous parler de conjoncture politique. Là. Président Sénat République là, Joseph Lambert, ce côté palais, fait qu'on ait rencontré ça, permettre d'évaluer la situation et puis réfléchir sur les moyens qu'on peut utiliser pour établir la paix dans le pays. Sénateur Lambert remercie le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour la disponibilité et puis annoncer qu'il peut rencontrer l'Assemblée sénatoriale pour capable d'attendre les propositions sénatoriales. Toujours dans le micro, Esaïe Aurelius à Wilson Idoré. Nous comptons pour nous voir que l'échange que nous faisons, c'est des échanges fructueux qui allaient dans le sens de l'intérêt national et qui a permettre que dans rapport exécutif, législatif, eh bien c'est toujours des rapports cordiaux, des rapports animés de sens, de responsabilité et de civisme à une autre pareille. Je dis en tant que président Sénat, nous constater et garder tout ça qui passait dans le dernier temps, tant qu'au même tout, nous permettre que nous fassions évaluation et gagner un regard objectif de tout ça qui passait. Je dis, il faut que nous continuions à avancer. Avancer dans la sérénité, avancer dans le calme et prendre toutes mesures appropriées pour nous remettre Haïti campé et continuer à avancer sereinement. Encore une fois, je vous remercie pour l'invitation, ou bien pas invitation, demande de rencontre et d'échange que je me sollicité avec que je me joigne. Et me contente pour moi toute sincérité et toute bonne foi qui animait vous depuis l'arrivée dans la tête du gouvernement ça jusqu'à journée aujourd'hui. Moi dit
dans les minutes qui suivent, je vais mal rencontrer les honorables sénateurs de la République pour nous continuer à échanger et pour nous continuer dans le calme et la sérénité fait pays à avancer. Avocat Manuel Kishita sur l'autoroute Delma, maître Mario Delcy, demande à l'administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour prendre toutes dispositions pour dédommager responsable magasin Sila après un pillage entreprise dans Sibi pendant le week-end passé. Maître Mario Delcy, qui t'a visité espace là, expliquait entrepreneur ça yo perdu tout ça yo possédé. Avocat dit li apprécie en pile démarche chef l'état pays attend main pour capable accompagner entrepreneur qui victime yo. Comme ça, li mande président République a fait tout ça qui nécessaire pour mettre estricti en place yon façon pour éviter dégâts ça yo pas répéter dans pays encore. En nous suivre. Son destruction totale que mon yo fait. Yo emporté tout ça qui gagnait là, ça ou quitté yo, c'est fatras, c'est déchets, yo pratiquement quitté pour propriétaire yo, alors que citoyen ça yo paye taxes dans le pays d'Haïti, yo employé moun, yo bay moun travail, yo bay emploi direct comme indirect. Te gagné des agents de sécurité qui essayaient résister, mon comprendre, lorsque gagné yon foule moun qui rentrait et qui vini et avec intention pour que yo voler, yo piller magasin, ou à comprendre que agent sécurité ou pas jamais capable à yo même seul répondre à sécurité et bâtiment ça. Au contraire, moi félicite le gouvernement parce que moi entendais que yo apprendre moins hier que gagné une commission que gouvernement limitait sous pied pour commerçants qui victimes. Et moi-même dans commission ça, moi m'a arrangé moi pour que moi représente client mieux qui choqué pour que moi faire part à l'état, à gouvernement de ça que yo t'a remis vraiment. Je connais que l'État n'est pas capable de réparer à 100%. Mais quand même, il y a d'autres moyens que nous pas proposer l'État, nous pas proposer le président, nous croyons qu'il y a une volonté. Parce que le fait que lui ouvre la porte au dialogue, lui ouvre pour que les commerçants qui sont victimes soient capables de venir parler avec lui à travers une commission, eh bien, nous pensons que son initiative qui est très louable. Et nous-mêmes, nous avons représenté Delma 2000, qui est une grosse victime, après ça, pile marchandise qui perdu là totalement. Pour que nous voyons ensemble avec l'État comment ils sont capables de joindre une réparation, une compensation pour perte énorme que vous faites ça. Nous te dit les tout dans grand titre paquet Port-au-Prince arrêté 64 moun qui accusé pour zak pillage crasé brisé ak mette di fe pendant moment tension qui passé pendant weekend nan. D'après commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Oknam Clamé Damius yo kebe individu sa yo pendant y a posé zak de choukaya et puis avec ça qui te nan men yo annonce suivi extrait. Paquet a gétant arrêté 64 moun dans cadre travail de poursuite li que l'a fait. Dans 64 moun sa yo ki arrêté, nous arrêté yo pour acte de pillage, pour dévastation, pour destruction, pour incendie. Et dans 64 moun sa yo ki paquet a actuellement a fait poursuite contre yo, gagné 4 ladan yo ke nou te joine avec des produits pillés. Qui cap vive dans une maison à Pétionville, c'est dans Rue Watson numéro 54. Et actuellement, maison ça li placé sous scellé en attendant que nous gagnions pour mettre li vin expliquer devant commissaire gouvernement qui sa moun sa tap fait en dans Kailia. Donc ça c'est information que nous gagnions nous partager avec vous. Et automatiquement des moun qui choisit pour faire pillage, pour détruire, pour incendier bien moun, les ça ou vin fait face avec sa nrelé, yon infraction pénale et infraction pénale sa yo, c'est les articles 64, 68, 72 du code pénal et tant prison que moun sa yo gagnent pour yo vivre, c'est entre 10 à 15 ans. Tout moun qui arrêté pour pillage, pour incendie, pour dévastation et les ça ou gain pour passer 15 ans en prison. Donc c'est risque ça que tout le monde qui arrêté dans cadre pillage qui gain dans Port-au-Prince là que au courant. Quel que soit monde
que c'est ou même qui t'a dans pillage qui met produit la caillou, que c'est moun qui t'a dans pillage qui vient déposer produit en la caillou, que c'est moun qui t'a fait pillage qui vend nous produit a n'a découvrir moi gagne toutes les informations quelles que soient. Et pendant m'a parler là moi gagne des maisons Port-au-Prince qui gagne produit pillé la caillou et me tout dit yo mettant moi m'a prendre. Yon l'autre bord, commissaire gouvernement, tout près tribunal en première instance à Port-au-Prince, Maître Oknama Clamé Damius a annoncé arrestation des individus qui impliqués dans association malfaiteur abus confiance ak escroquerie sous ministère affaires sociales ak travail. D'après Maître Oknama Clamé Damius, individu sa yo tal fait pression sous ministre affaires sociales ak travail là pour bayo l'argent nanon yon député pour capable éviter yo interpeller ministre cela. En nous sur extrait. Nous gagnons Pierre Wessner Junior, nous gagnons Benoît Audrel, des messieurs sa yo, yo présenté nan ministère affaires sociales et yo dit que c'est des députés qui voyez yo. Alors, permettre que me pas citer honorable yo en termes de protection en attendant que c'est des autorités de l'État qui voyez yo al chercher l'argent nan men ministre là pour yo gérer m'pa konnen. L'argent yo besoin recevoir pour yo pa bay pour yo pa convoquer ministre là devant parlementaire. Donc effectivement m'pa konnen ça ne relé par la peur. Monsieur Gayen, monsieur ça yo gen chèque nan men yo. Yo gon chèque de 150 000 goud nan men yo ke m'jwenn. Et téléphone yo là nan men mwen. Yo mandé ministre là, fòk ministre là ba yo kòla pour pote bay on député qui voye yo vin chercher kòb la si yo pa gen ni. Y a convoqué ministre devant parlementaire. Voilà que mwen même lè ça, m'te gen chance pou m'te visiter ministre ça. Actuellement monsieur ça yo, yo nan men la justice. Pour ça, nous sommes capables de briller, association de malfaiteurs et abus de confiance et escroquerie, puisque vous présentez sous nom de parlementaire pour vous marcher, prendre corps dans main de ministre. Donc, je suis rassuré que vous avez communiqué nos informations. Voilà que M. Sayo va poursuivre. Mes téléphones sont en main de ministre. Côté que vous allez vérifier avec qui est-ce que vous avez communiqué. Et si jamais vous jouez dans l'information, que monsieur s'est communiqué avec des députés effectivement que nous avons cité, le Parlement a gagné pour prendre responsabilité, pour permettre Parlement a gagné pour venir répondre à une question devant la justice. Parti politique patriote rassemblé Parasol condamné à mercredi 11 juillet Yazaka violence qui était enregistré dans zone métropolitaine le week-end passé. Responsable Parasol là Yvon Bonhomme renouveler solidarité by administration Moïse à gouvernement Lafontaine pendant encourager tout secteur dans vie nationale là chita parler Jean chef l'état passe pendant Mandela. Yvon Bonhomme rete kwe division, krasé brisé panan intérêt pays. En tentant unité ak dialogue, c'est ça kap continue kebe pays a sou route développement. Lite nan micro, Midred Milias ak Moïse Wilbridge. Parti politique Parasol dit libre note, kote ke depuis après 1986. Un groupe moun ki gen seul projet, un groupe apatride. Yo pa gen maki, pa gen madame nan peyi a, ki pa gen pitit nan peyi a, ki pa gen kay nan peyi a, ki pa gen yen nan peyi a. Groupe apatride sa yo ki yo menm ap denonse FMI pandan yo menm y ap dirije ONG. Yo menm ki kase ran l'état, yo gen seul projet détruire peyi d'Haïti. Nous menm kom parti politique, nous prenons note et nous souhaitons que la population haïtienne dans tout libre note. Parti politique Parasol dit population haïtienne nan, vendredi après-midi était fâchée à cause gouvernement t'a ajusté prix gaz là. Et nous même comme parti politique nous joignons voix nous trois avec voix population haïtienne nan, contre façon que yo t'ajusté prix gaz là.
et revendication peuple là li réel nous supporter du même coup parti politique parasol prend note tout côté premier ministre là avec président république là te retourné sous décision ça c'est pas première fois ni seul côté côté gain des dirigeants qui ont même parfois prend décision parce qu'a bon pour peuple yo et peuple yo même yo pas d'accord et le ça dirigeant l'état yo retourné sous décision parti politique parasol condamné à toute force sans réserve tout malfrat soi-disant qui dit il a fait politique mais plus gros façon pour faire là c'est calendrier déchoucage calendrier crasé brisé nous même messieurs dames ça qui content frapper l'estomac nous pour nous bouler tout ça pays a gagné. Qui ça n'a dit qu'on y a avec pile maman, papa, petit qui tombe dans le chômage parce que côté t'as travaillé, yo boulé, yo pillé. Qui ça n'a pas comme plan? Parce que c'est des dizaines de millions de dollars américains de déficit qu'a fait. Qui ça n'a dit à moun ça? Nous même comme parti politique responsable. Et c'est une raison que aujourd'hui, nous formuler demande ça avec la presse. Parti politique parasol a demandé la presse pour le tabac un fichier technique sur tout le monde qui a fait événement, surtout événement politique dans le pays. Plateforme nationale secteur populaire haïtien déclaré li pas d'accord avec décision qui t'apprend pour faire premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui était tête gouvernement. Dieudonné Lérisson, qui est président de la plateforme SILA, encourage l'autorité concernée à prendre décision plutôt pour changer quelques ministres à directeur général qui a handicapé pouvoir en place là, une façon pour empêcher le pays à connaître plus mauvais moments. En nous souvient extrait dans la déclaration de Namiko Elisea Kolo et Benoît Marseille. Plateforme nationale secteur populaire haïtien opposé à un changement gouvernement jodia. Mais n'a dit président Jovenel Moïse après ça que fin passé dans pays il faut grand pile physique qui sautait. Nous connaissons grand pile problème en dans gouvernement. Tout ministre avec directeur général qui pas fait travail peuple là, faut tout aller. Plateforme nationale secteur populaire haïtien. Profitez même occasion ça pour condamner comportement yon équipe mauvais politicien qui a fait vieux manœuvre pour créer instabilité sociale et politique à chaos dans le pays. La forme nationale secteur populaire haïtien à faire considération ça yo pour opinion publique là un dans un mois et demi c'est pour la rentrée de classe côté que en pile maman petite et papa petite poko ka joine possibilité pour prendre canet moun yo qui dans direction l'école yo deux. Pendant 17 mois qui sont passés là, pas aucun programme social que le gouvernement mettait en place qui atterrit dans le quartier populaire pour te permettre, même secteur populaire, te rallonge souffle. N'a demandé au président Jovenel Moïse pour décréter en urgence sous tout pays un programme apaisement social qui pour toucher toutes 146 communes, toutes 570 sections communales qui pour atterrir
dans le quartier populaire, dans le ghetto, qui pour ramener confiance dans la population. Nous prenons les cognats dans le Parlement haïtien sous Bessonnet. Nous te disons dans grand titre. Premier secrétaire Sénat République, sénateur Sidesla, Dieupi Chérubin, déclaré solution d'après lui qui a aidé la population à reprendre confiance dans le pouvoir en place là, c'est changement gouvernement. Sénateur Chérubin dit yon l'autre bord, li désolidarise la agopa majorité dans le Sénat qui pas permettre d'après lui aux jeunes couramment pour faire séance yon façon pour institution capable prononcer la sous situation pays a fait face. Et dans micro Fener confident à point sur Bridge à nous suivre. Moi personnellement, je vraiment regrette l'événement qui arrivé dans le week-end passé yo, et nous souhaitons nous pas deux jambes revivre encore. Moi quoi? Premièrement, voyez président Jovenel aller, pas mettre nous dans la stabilité que nous avons besoin. Il a jeté nous dans la situation que nous pas même imaginer. Moi-même, moi pour l'institution, je veux protéger. Moi pour la protection de la présidence. Moi pour que yon le mandataire de la nation qui élu pour 5 ans, fait 5 ans non, comme ça, n'a voyé un signal positif by international là pour qu'on ait au moins nous prend voix démocratie à nous lancer nous sous lit, là un président élu pour 5 ans, l'a fait 5 ans. Et c'est ça que fait président gagne gouvernement, il gagne premier ministre et il gagne ministre. C'est pour que li mette au devant pour les grands problèmes, c'est eux-mêmes qui sautent comme fusible. Non, laisse à tout. Faut choisir premier ministre avec ministre qui gagne pile force de caractère pour battre avec son série de décisions pour que bonne décision au cas sauté dans question pays a. Pour que nous arrivions à jouer calme et rétablir l'ordre dans la cité a. Et permettre que Mounio reprend confiance. Et avancer encore, n'attendre démission gouvernement ou bien interpellation qui voit le gouvernement aller. Et puis, après ça, bâillons un gouvernement de force, de caractère, qui pourra mener le pays à une bonne voie et amener là avec un pile compétence et un pile sévérité pour que nous arrivions à avancer. Il est déjà 7h30, c'est le moment pour nous capables d'aller, mais avant nous dire bye bye, permettre nous rappeler un grand point qui domine l'actualité. Premier ministre Jean-Guy Lafontaine s'est parlé mercredi 11 juillet avec président Sénat République Joseph Lambert. Le contact qui était déroulé dans le local Primatia permet à deux autorités de discuter sur la conjoncture actuelle et puis sur plusieurs autres dossiers qui concernaient le pays d'Haïti. Paquet Port-au-Prince a arrêté 64 individus qui accusés dans zak pillage, crasé brisé et puis mette di fe pendant moment tension week-end passé. D'après commissaire gouvernement, bon côté tribunal en première instance Port-au-Prince là, yo kebe individu sa yo pendant yo t'a posé zak brigandage. Premier secrétaire Sénat République là, sénateur Dieupi Chérubin, lui fait connaître lui désolidariser lui à groupe majorité dans Sénat République là qui pas permettre d'après lui yo joindre quorum pour faire séance pour institution capable de prononcer là sur situation pays a. Pour ensemble avec pour capable former le rester seulement capable souhaiter passer un très bon jeudi sur territoire national d'Haïti. Rendez-vous avec moi-même pour l'autre journal encore, c'est demain. Même matin. Bye bye tout le monde.